ce qui m'a motivé dans la formation 3i de chez Rexel, c'est tout simplement de pouvoir devenir domoticien tout en étant électricien à la base. Grâce à 3i, ça m'a permis de ne plus faire appel forcément justement à des programmateurs. Là, on arrive à enfin pouvoir faire une installation de A à Z avec le client, avec nous comme interlocuteur. Alors mon premier chantier domotique s'est passé tout simplement, c'est-à-dire que je suis allé voir les clients. Ils m'ont dit ce qu'ils avaient besoin, ce qu'il y avait dans la maison de concret, à savoir des volets roulants, des alarmes techniques. Et ensuite, on a pu retransmettre tout ça sur papier et pour finir sur 3i. J'ai eu des modifications à faire sur le chantier une fois que le client habitait dans la maison. Donc bien sûr, j'ai fait appel au collaborateur 3i, ce qui m'a permis d'avoir la valise et de pouvoir faire les différentes modifications par rapport aux demandes du client qui habitait cette fois dedans. Pour moi, il est important de vivre dans la maison pour pouvoir faire les scénarios ensuite et ne pas vouloir faire trop de scénarios dès le départ parce que je pense qu'on se perd à un moment donné tant qu'on ne vit pas dans la maison. Alors, l'accompagnement des chargés de développement de chez Rexel est très important car nous ne sommes pas domoticiens, nous sommes électriciens à la base et on essaie de devenir domoticiens. Donc on a besoin d'avoir des gens qui sont eux domoticiens. Alors, grâce à la domotique, ça nous permet justement de pouvoir obtenir de nouveaux marchés et d'avoir des marchés différents de ce que nous faisons habituellement et ainsi nous démarquer aussi de la concurrence.